The mosey's outside. Ah, maintenant il n'y a plus rien qui s'affiche. J'ai plus de nom, d'identité du tout. Map from global. Ah oui. Ouais, parfait. Là, il affiche rien. Là, il affiche tile. Il affiche plus rien du tout. Par contre, là, la souris s'en va. Parfois, il reste affiché alors que la souris est partie. Pourquoi il dit plus que c'est une destination là? Ok, c'est bon. Donc apparemment le mouse left il est pas tout le temps appelé. Mouse left. Qui c'est qui appelle ce signal? Ah. C'est fait depuis ce machin là. Un filter. Quand il y a un Q-Event Leave. Mouse leaves widget boundaries. Bon. C'est pas bien grave, je corrigerai ça une autre fois. À pouvoir raconter ça dans le changelog d'ailleurs. Changelog. Ah, le status bar. Enfin seulement dans le map editor. Il y avait déjà une status bar en fait. Puis je vais aussi ajouter dans le changelog les nouveaux éditeurs, bien sûr. L'éditeur de dialogue et l'éditeur de langue, enfin de chaîne de caractères. Finalement, ils vont bien être dans 1.4.
by Max S. On va le dire. C'est quand même du grand boulot. J'ai un tout petit peu testé. Mais je sais pas encore exactement les nouvelles fonctionnalités. Tiens, je vais ouvrir un autre jeu plutôt que ce que Mercuris. Donc dans un SDX, il y a plein de dialogues. Donc si vous voulez texte par exemple. Par exemple, mettons que je vais créer une nouvelle langue. Il y avait un début de traduction néerlandaise. Alors si je l'ajoute. Netherlands. Comparé à la langue française. Ah oui, les icônes, excellent. Donc on a des icônes avec un point d'exclamation quand ça manque, quand la traduction manque, comparé à la langue, ou English plutôt. Ok, donc je suppose que juste à compléter là. Pas mal. Et il y a pareil avec les propriétés, j'ai vu. Ah ouais. Icon skip. Par contre, normalement, ça c'est pas une traduction. Enfin, ça pourrait. Clé valeur. Définir depuis la traduction. Pas mal, pas mal. Par contre, là, il a enlevé la petite icône, alors que j'ai pas encore traduit le texte. J'ai juste copié les valeurs. Bon, en tout cas, c'est vachement bien. J'ai plein de petites améliorations. Ah oui, il y a des propriétés après. Ah non, c'est quoi ça? Ah, c'est quand il y a du next. Mais dans ce cas, comment tu gères le fait que plusieurs dialogues peuvent avoir le même next? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand le texte est vide. Il faudrait que l'éditeur considère que ce soit manquant de la même façon. Ah d'accord, c'est parce qu'ils ont un préfixe en commun. Ah ok, oui, c'est vrai, j'ai rien dit. Pas lié au next, mais next égale machin. Ah, c'est l'icône qui m'a trompé, oui, parce que oui, l'icône qui est un point d'exclamation, ça devrait être un dossier avec un point d'exclamation en fait, pour être exact. Ok, mais c'est vraiment des petits détails qu'on pourra corriger plus tard. C'est vachement bien. Et donc pour les dialogues,
Ah non, c'était déjà les dialogues, je suis bête. J'étais en train de penser au texte, moi. Bah, les textes, c'était quand même plus simple que les dialogues. Impossible de vérifier le texte. Ah, ça c'est un bug de ma part. Quand on crée une langue, il devrait créer le fichier texte et le fichier dialogue. Les deux étant vides à la base. Alors, je vais quand même nettoyer ZSDX. Parce que j'ai créé des fichiers que je veux pas garder. Quest.cpp. Create. Resource element. Si c'est une langue, on crée bien les deux. Get string path. Dû le faire. Je sais pas trop pourquoi il l'a pas fait. La célèbre langue ASDF. Ah, et les textes, ça marche. Donc en fait, ça doit avoir un rapport avec le fait que des fichiers existaient déjà. Strings.nat existe déjà. Donc pourquoi il l'aurait pas trouvé dans ce cas? Je vais refaire un petit essai. CDSDX ajouter en tant que langue. J'ai bien un dialogue.date et dater un string.date. Alors oui, en fait il existe, mais il doit pas avoir une syntaxe valable. Parce que il a une vieille, très vieille syntaxe de 2010. Donc c'est juste ça. Ok. Mais en tout cas, ça va faire vraiment plaisir aux gens. Du coup, qu'est-ce qui reste comme éditeur manquant? Il reste plus rien. Parce que propriété de la quête, c'est fait. Il reste plus rien. L'éditeur, à partir de la version 1.4, on pourra dire qu'il sera complet. Éditeur de sprite. Ouais, de quoi jouer les musiques et les sons. Ça, il faut que je modifie un peu le moteur, mais ça sera faisable aussi. L'éditeur de map, quant à lui, est quasiment fini. Il reste le menu contextuel à continuer. Parce que dans la version d'avant, j'avais un peu plus de choses. Vous pouvez changer le layer, on pouvait faire bring to front, bring to back, changer la direction aussi. Et puis surtout le edit, la dialog box pour éditer une entité.
Bah, je pense qu'on pourra faire ça dans le prochain stream. Je vais lancer le vieil éditeur juste pour voir. Edit, donc c'est ça qui reste à faire, resize. Les tiles, on peut les convertir en dynamic tiles depuis ici. Create, ça je vais pas refaire un menu contextuel create, je pense pas que ce soit utile, vu qu'il y a déjà la toolbar. Les layers, bring to front, bring to back, et ouais, par ça c'est terminé. Un truc qui est pas fait aussi, c'est quand on change le tileset. Il se met à jour ici, mais il se met pas à jour là. Un truc qui n'est pas géré non plus, je pense, c'est quand il y a des tiles manquants. Par exemple, si j'édite mon tileset de mine et que je supprime ce tile, et que j'enregistre, et que je relance ma map. Ah, il m'a pas mis de message d'erreur. Le tile continue à exister. Il est là. Mais il fait référence à un motif qui n'existe plus. Donc dans l'ancien éditeur, il mettait un message d'erreur au démarrage de la map. Et il disait les tiles, certains tiles ont été supprimés parce que leur motif n'existe plus dans le tileset. Peut-être qu'on peut refaire pareil. Ou alors peut-être qu'on peut les laisser comme ça. Et leur mettre une icône. Avec un petit truc rouge qui montre que quelque chose manque, qui montre qu'ils sont dans un état d'erreur. Mais il faudrait quand même que l'utilisateur puisse être absolument sûr qu'il n'y en ait plus quand il sauvegarde sa map. Je verrai comment gérer ces trucs-là, ces problèmes-là. Quoi qu'il en soit, le cas se produit soit quand on ouvre une map, soit quand on change le tileset. C'est exactement le même problème. Ou quand on actualise le tileset courant. Puisqu'il y a un bouton actualiser tileset qui est là. En fait, oui, j'ai fait fermer et rouvrir ma map, mais c'est parce que j'ai pas le réflexe, mais maintenant il y a ce bouton-là. Recharger le tileset. Ok, et ben vivement que ça soit fini. Ça va être vachement cool. Bon, ben je vais mettre fin au stream et je vais essayer de garder un petit peu de voix pour ce soir, puisque ce soir il y a du GoldenEye qui est prévu, hein. Allez, à plus.